Bonjour. Ils sont où nos sacs? Déjà dans la voiture. Très bien, merci. Je vous Vous êtes remercie. arrivés? Oh, bien sûr. Donne-nous à peu près 30 minutes. Ouais, 30 minutes. D'accord, je t'aime. À tout à l'heure. Bébé, on ne doit pas sécher maman. 30 minutes, c'est pourquoi? 30 minutes pour arriver chez maman. Je lui ai dit qu'on passe chez elle avant d'aller à la maison. Non, bébé, s'il te plaît, non. On ne peut pas aller directement à la maison et aller plus tard chez elle comme ce serait Bébé, reposé. j'ai faim, je veux manger une bonne nourriture faite maison. Les plats de maman me manquent. Dans ce problème de Oui? nourriture, on peut retourner manger à l'hôtel. Il y en a aussi au restaurant. Ou encore, nous rentrons à la maison et je te fais manger, c'est toujours fait maison. Ok, écoute bébé, ma mère me manque, je veux la voir, je veux manger un bon plat, est-ce une mauvaise Non, chose? non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ta maman m'empêche de profiter de ma lune de miel. Elle ne va pas aussi me faire ça. Mais il n'y a rien de compliqué à ça, ma mère me manque, je veux la voir, je veux manger sa nourriture, c'est tout. Allons-y, je t'en prie, monte dans la voiture, on y va. Hein? Quel genre de lune de miel qu'on doit s'éterniser à l'hôtel? Allons-y voir ma mère, je veux manger sa nourriture, il n'y a rien de compliqué à ça, allez s'il te plaît, entre, on y va. Mon bébé est là. Maman! Regarde-toi. Oh mon bébé. Bonjour, Tu m'as maman. manqué. Moi aussi. Bonjour, maman. Oh, comment tu vas? Mais dis donc, t'es Entre, toute entre, ravissante. entre. Entre que je te regarde. Tu as l'air pâle et fatigué. Oh mon Dieu, assieds-toi, assieds-toi. Pourquoi n'étais-tu pas arrêtée pour manger quelque chose? Hein, Tonia? Oui, maman. Maman, tu m'as manqué. Comment tu vas? Oh, tu m'as manqué aussi, mon chéri. Tu sais, j'étais très inquiète, mais maintenant je suis heureuse comme tu es à la maison. Oh, maman, j'ai faim, il y a quoi manger ici? Je l'imagine, hein? Regarde-toi. Ah, J'ai fondu, hein? écoute, j'ai la soupe aux légumes, j'ai la soupe au hareng, j'ai du ragoût au congélateur et je peux faire du riz. Te donne pas cette peine, maman. Ce que je veux, c'est ta soupe en hareng. Et je la veux avec des lignames pilés, comme Parfait. tu sais très bien le faire. Parfait, mon Ouais, cher. parfait, comme tu connais. Moi Oh, je suis aussi, tellement maman, tu contente m'as que tu sois à la maison, manqué. chérie. Oh oui, laisse-moi aller faire ta nourriture. Je la fais Suis vite, hein? tellement content d'être à la maison aujourd'hui. Bébé, si tu n'as jamais goûté sa soupe en hareng, alors t'as tout raté. Parce que c'est comme ce que tu n'as jamais goûté auparavant. En fait, sa soupe est délicieuse. Ah, je suis impatient. Oh, ça va. Hey, toi. Oh, toujours belle. Toi aussi, Inis. Comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Ça pourrait aller. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Où est mon frère? Bien, il est à l'étage avec maman, votre mère. Vraiment? En train de faire quoi alors que tu es toute seule ici? Attends un peu. Tu ne me cacherais pas quelque chose par hasard? Sûr? Comme quoi? Comme des histoires de filles ou un truc comme ça? Oh, Inis, laisse-moi tranquille. Tu es sûr? Attends. Vous n'étiez pas censé être en déplacement pour 2 semaines? Oui, pour votre lune de miel? Les plans ont changé. Tu veux goûter mon jus? Partage-le avec moi. Merci. C'est bon? Tu peux te boire. Non, tiens. Bois tout. Non, c'est Je vais bon. aller manger chez un autre verre. Prends-le avant de dire qu'on ne prend pas assez soin de toi dans cette maison. Ah, Ou d'où est-ce qu'on que te cela maltraite. sort? De moi? Prends-le. T'inquiète, j'irai chercher un autre verre. Allez, tiens. De quoi voulais-tu me parler? Grand frère, je n'apprécie pas du tout ce que tu fais. Sérieusement. Qu'est-ce que j'ai fait? Dois-je te rappeler que tu viens à peine de te marier et tu as des obligations vis-à-vis de ta nouvelle femme? En passant, tu fais quoi dans cette maison? C'est telle plainte auprès de toi que je ne remplis pas mes devoirs conjugaux? C'est ce qu'elle t'a dit? Elle ne m'a absolument rien dit. Elle ne m'a rien dit. Mais je suis certaine que si tu regardes bien ta femme, tu verras qu'elle n'est pas heureuse du tout. Ah, elle s'est Oui? plainte sur toi. Elle est venue se plaindre. Je ne sais même pas pourquoi elle se plaint. Parce qu'elle fait partie de la famille, hein? Elle devrait être heureuse, ne sommes-nous pas? Mon frère,
S'il te plaît, ramène ta femme à la maison. Il faut construire ta relation. C'est le moment pour toi de fonder ta propre famille. C'est-à-dire, tu veux dire quoi au juste? Je veux dire que tu dois rentrer chez toi. Renforcer les liens avec ta femme. Te rapprocher d'elle. S'il te plaît. D'accord, madame la conseillère matrimoniale, ramène-la à la maison et deviens un bon mari. As-tu déjà amené quelqu'un ici pour t'épouser? As-tu un petit ami, toi? En tout cas, j'ai donné mon avis. Ouais, c'est ça. Ma femme se porte bien. Je sais pas de quoi est-ce qu'elle parle. Tonya. Dans ce sac, il y a de la sauce pistache et du ragoût. Bien emballé. Et quand tu seras à la maison, réchauffe-les très bien et garde-les au frais pour que ça ne devienne pas acide. Entendu? Et nourris très bien mon fils. D'accord? Il n'aime pas manger tard. Et rassure-toi de bien le nourrir. Aussi, oui, chaque fois que tu feras manger, rassure-toi de ne pas trop pimenter pour qu'il puisse bien manger. D'accord? Murphy n'aime pas la nourriture froide. Rassure-toi de lui donner la nourriture chaude. Rassure-toi bien de nourrir mon fils. D'accord? Maman, tout se passera bien. Ça bien va aller. Sûr. Je sais que tout se passera maman, bien. Maman, c'est pourquoi je t'aime énormément. Tonya, sois une bonne femme, d'accord? Bébé. Oh, mon chéri, laisse-moi t'aider. Oh. Laisse-moi ah bon? T'aider. Ça va aller. D'accord, laisse-moi t'aider. Oh, bien, bébé, allons-y. J'ai aimé le temps passé avec c'était vous ici. C'était exceptionnel, bébé. Allez, c'était un moment merveilleux. Oh oui, maman, je suis impatient. D'accord. Salut, bébé. Chérie, écoute, la manière dont tu regardais ma mère aujourd'hui m'a fait penser que tu pourrais ne pas beaucoup l'aimer. Bébé, pourquoi tu dis ça? Je veux dire la façon dont tu la regardais quand elle te donnait les conseils de mère. Les conseils du maire ou les instructions pour savoir comment prendre soin d'un groupe. Voyons, bébé, voyons. J'espère que tu vas pas commencer à la détester aussitôt. Je suis vraiment désolée que tu l'aies ressenti ainsi. Je ne savais pas que telle a été ma réaction. Ça va. Promis, je le ferai plus. Tu veux goûter? C'est très bon. D'accord. Merci. Je l'ai fait spécialement ce mélange de plusieurs fruits. C'est très nourrissant. Tu aimes? C'est bon. De moi. Je peux demander que tu prennes tout. Bah, c'est bon, c'est bon. Tu me l'as donné, non? De moi. Et je pourrais encore. Ouais, c'est vraiment bon. Tu veux te prendre. D'accord. Très bien. C'est merveilleux. Et elle t'a donné de la bonne nourriture? C'est comme ça que ton ça verre de jus. Merci, ma chérie. Merci. Je cause avec ton frère. Et alors, qu'a-t-elle fait pour toi ce soir? J'espère qu'il n'y avait pas trop de piment. D'accord. Oh, elle s'améliore. C'est bien, c'est merveilleux. Je suis ravie de l'entendre. D'accord, mon chéri. Oui, on s'appelle encore le matin. Je t'aime. Bonne nuit, mon chéri. Maman. Oui? J'aimerais te parler de quelque chose. De quoi s'agit-il? Vraiment? Oui. C'est à propos de Tonya et Murphy. Tonya et Murphy, quoi à propos d'eux? Maman, je ne sais absolument pas comment tu vas le prendre, mais je dois te dire la vérité. Tu interfères dans la vie de ton fils et ça ne leur fait pas du tout du bien. Et si tu continues de cette manière, tu vas leur causer beaucoup de tort. Que sais-tu de dire? Eunice,
Tu insinues que je veux détruire le foyer de mon fils? Maman, non. Ce que je veux dire, c'est que si tu continues d'interférer dans la vie de Murphy comme tu le fais, ça va détruire leur mariage. Eunice, je sais que tu ne comprends pas ce qui veut dire avoir un fils unique. Alors, je ne vais pas m'inquiéter. Mais tu dois comprendre qu'il faut me laisser tranquille. Laisse-moi aider mon fils, je t'en prie. Je t'en prie, maman. Laisse Tonya gérer son foyer. S'il te plaît. Je suis certaine que de ton temps, si on t'avait fait cela, tu n'aurais pas apprécié. Ah ah! Vas-tu te taire et t'occuper de tes affaires? C'est quoi ces conneries? Ou alors parce que je te laisse faire tous ces derniers temps? Hein? Maman, jusqu'à ce que tu finisses par complètement ruiner le mariage de ton fils, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. En tout cas, j'ai donné mon avis. Ça vaut ton jus, je te laisse. Écoute-moi les choses. Au lieu de te marier et de me faire des petits-enfants, hein, tu es là à parler de ce qui ne te concerne pas. C'est quoi cette jalousie? Oui, maman. Maman, je suis désolé pour toi, comment tu vas? Oui, maman, tu me manques aussi, tu me manques. Je vais bien, c'est juste la grippe. Maman, je pense que c'est le froid. Je me suis sûrement exposé au froid. Et le climatiseur reste en marche toute la nuit, donc... Voyons, maman, voyons, c'est juste la grippe. Ça va aller. Ah, maman. Ah. Bébé, ma mère veut te parler. S'il te plaît, prends. Parle-lui, bébé. Allô, maman? J'irai à la pharmacie pour acheter un médicament. On y avait pensé. Allô? Allô, maman? Tu m'entends? Je ne t'entends pas. Allô? 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 Ah, ah. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Je pense que c'est le réseau. Attends, je vais la rappeler. Non, laisse tomber. Elle a déjà dit ce qu'elle avait dit. T'as dit que c'est le réseau, laisse-moi la rappeler. Bibi, tu m'as entendu, non? Quand j'ai discuté avec elle, non? On s'est tout dit. Ok. Embrasse-moi. Tu sais que j'ai le rhume. Fais-le correctement. Je suis fatigué. Tonya, vraiment, tu m'as beaucoup manqué. Tu peux imaginer? Tu m'as aussi manqué, merci. Honnêtement, j'arrive toujours pas à croire que j'ai raté ton mariage. Hé, hey, c'est bon, non? Combien de temps vas-tu encore regretter cette situation? Aussi longtemps que possible. J'étais censée être avec toi. Désolée. Allais-tu laisser tomber ton examen de promotion pour moi? Ah! Mais alors, regarde-toi. Totalement madame, hein? J'adore, oh! T'es mariée. Que veux-tu dire? Quoi de neuf, alors? Bien. De toutes les façons, nous avons trop parlé de moi. Parlons de toi. Quoi de neuf entre Tunde et toi? Ah, oublie ce fou. Je veux même pas parler de lui. Et toi, dis-moi, quoi de neuf? Et la vie de femme mariée? Regarde-toi. Brillante et rayonnante. Ah ah, donne-moi le scope. Ça fait quoi d'être mariée? Je n'en sais rien. Que veux-tu dire par « tu n'en sais rien » Attends, tu n'es pas heureuse? Que se passe-t-il? Tu me fais peur, là. Becky, tu es mon amie. En fait, tu es ma meilleure amie. Oui. Je veux dire, tu n'es pas n'importe qui. Alors, je ne peux pas te mentir. Une minute. Honnêtement, je n'en sais rien. C'est pas mon amie qui vit ça. Je veux dire, Murphy et toi, vous formez un couple parfait. Votre relation est belle et enviée de tous.
Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu me demandes ça pour que je demande à qui? Peut-être qu'il faut demander à ma belle-mère. Maman? Peut-être qu'elle aura une réponse à ça. Honnêtement, je veux dire, je ne sais pas ce que je fais dans ce mariage. Je ne sais pas qui je suis dans ce mariage. Peut-être que je suis juste un meuble. Tu es sérieuse? Donc c'est la vérité? C'est ces histoires de belle-mère? Un pouvoir étrange. Immédiatement après mon mariage, okay. 4 jours après mon mariage, pas de lune de miel, nous sommes allés directement chez ma belle-mère. Pas question. Dans la maison de ma belle-mère, pour une semaine. Pensons. Comme je te dis, on n'a jamais eu de lune de miel. Pas vrai. Et comme si ça n'était pas si, elle se réveille tous les jours avec le courage de me donner des instructions. Oh, Tonya, voici comment tu dois nourrir ton mari à telle heure. Voici comment tu dois le faire. Eh ben. Wow. Bien. Après que nous sommes partis de chez elle pour rentrer chez nous, ce n'était pas assez pour qu'elle se donne le devoir de m'appeler tous les jours pour me donner des instructions. Oh, tu dois cuisiner la nourriture de ton mari comme ça. Non, mais c'est vraiment. Et si ça ne lui suffit pas, elle vient me confronter physiquement. Je veux dire, c'est sérieux. Attends. Qui fait ça? Ok. Et cette grosse tête de Murphy. Je l'ai surpris en train de consulter sa mère. En fait, ce n'était pas une consultation. Il demandait l'avis de sa mère sur quoi m'offrir comme cadeau de mariage. Oh. Je comprends. Non, tu ne comprends pas. Non. Et comment gères-tu tout ça? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Bref. En plus, il commence à penser que je n'aime pas sa mère. Oh. Je veux dire, je ressens ta douleur. C'est sérieux. Je veux que tu fasses attention. Tu dois trouver une manière diplomatique de le gérer avant que cela ne dépasse les bornes. Diplomatique? Ok. Calme-toi. Oh, mariage. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ça je va, ne sais okay. pas. Honnêtement, je ne sais pas ce que je fais. Si je suis mariée ou juste observatrice, observatrice internationale dans mon aller. Propre mariage. Ça comment, va. Quand ma belle-mère ne me le permet pas. Ça va, parlons d'autre chose. Voici ce que j'ai acheté pour toi, bébé. Allez. Oh mon Dieu. Bébé. Pour moi? Ouais. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh. Allez, viens. Oh. Merci beaucoup, j'adore. Oh mon Dieu. Devant les clés, devant les clés. Tu l'aimes? Oui, maman j'adore. Maman a dit que tu l'aimerais. Ouais, maman a dit que tu vas l'aimer. Elle a personnellement choisi cette voiture juste pour toi. Elle m'a poussé à aller au-delà de mon budget, mais je ne me suis pas plaint parce que c'était pour mon amour, donc je ne t'ai pas forcé. Ça va, bébé? Bébé, qu'est-ce que c'est? Si la voiture ne te plaît pas, je la ramène et je prends une autre. Murphy, as-tu déjà fait quelque chose sans demander la permission de ta mère? Es-tu un homme? Attends, attends, je ne comprends pas. De quoi est-ce que tu parles et d'où te vient cette idée? Car jusqu'ici, je ne te comprends vraiment pas. Comme d'habitude. Tu sais quoi? Merci beaucoup pour ce cadeau, mais je ne peux pas l'accepter. Quoi? Fais-moi un cadeau personnellement que tu as choisi du fond de ton cœur. Ça va me plaire. Et non, un cadeau que ta mère a choisi, t'a dit de me l'offrir. Non, je ne peux pas. Tonya, je ne peux Tonya, pas. Je attends. Ne peux pas. Je n'ai jamais pensé que tu pouvais être aussi irrespectueuse et pas reconnaissante. Maman a acheté cette voiture pour toi. Toi, sa belle-fille, elle te l'a achetée parce qu'elle t'aime. La moindre des choses que tu peux faire, c'est de l'apprécier. Elle m'a pressé d'aller t'acheter la voiture et te voilà irrespectueuse et pas reconnaissante. Je pensais que tu serais heureuse pour ça. Qu'est-ce qui va pas avec toi, Tonya? Qu'est-ce qui ne va pas? Thank you.
Bonsoir, maman. Comment tu vas, Eunice? Je vais bien, maman. Maman, c'est quoi le problème? J'essaie de joindre ton frère, mais son numéro ne passe pas. Et sa femme, Tonya, ne prend pas mes appels. Hein? Je suis maman, inquiète. Maman, Murphy va bien. J'ai parlé avec lui avant de quitter le bureau. Eh, mais pourquoi son numéro ne passe pas? Peut-être c'est le réseau. C'est quel foutu réseau, ça? Laisse-moi. Je vais chez lui. Assieds-toi. Ce n'est pas nécessaire. Maman, Murphy vient de se marier. Il a besoin d'espace avec sa femme. Regarde, il se fait tard. Peut-être qu'il est sorti avec sa femme. Et alors? Ah ah! Je peux toujours aller voir et vérifier s'il va bien. C'est mon fils. Maman, ton fils n'est plus un enfant. Ok, écoute. Si son numéro ne passe pas, pourquoi ne pas lui faire des SMS au lieu d'aller là-bas tout le temps? C'est quoi ton problème? Es-tu jalouse ou quoi? Maman, tu sais que je ne serai jamais jalouse de la si belle relation que tu entretiens avec ton très cher fils. Mais maman, tu dois comprendre que Tonya est également une femme. Et elle a besoin de l'attention de son mari. Le rôle que tu joues maintenant ne lui donnera pas cette place. Maman, tu dois comprendre cela. Ah ah, je ne comprends pas. Est-ce que Tonya t'a dit que je vais prendre sa place? Non! Et alors? Écoute, ferme-la et occupe-toi de tes affaires. Où sont mes clés? Maman, viens. Tu dois te reposer, d'accord? Laisse-moi aller le... Ne t'inquiète pas. Il va bien. Tu n'as pas à t'en faire. Je vais aller voir pour être sûre. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Comment était la nuit? Bien, comment tu vas? Bien, merci, maman. Et toi? Oui. Oui, maman. Maman, tu cherches quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Ah, oh, c'est du riz au pudding de soja. Non. Non, tu ne nourris pas mon fils avec ça. Hein? Ha! Je comprends pourquoi il avait l'air émacié. Hein? Ne t'ai-je pas donné sa recette alimentaire? Tu l'as fait, maman. Ha! Non, 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 non. Non, maman, ne t'inquiète pas. C'est ce qu'il aime manger et c'est vraiment très nourrissant. Recule, je l'ai recule. Fait comme il l'aime. Recule, maman. Recule. Laisse-moi cuisiner quelque chose de bien à mon fils. Ah ah. Pourquoi as-tu stocké autant d'aliments riches en glucides dans la maison? Maman, il y a du haricot au magasin. Et qu'est-ce que ça fait au magasin alors que ça doit être ici à la cuisine? Oh! Regarde l'heure. Tu n'as pas encore servi le petit déjeuner à ton mari. Ou alors ne prends-tu pas le petit déjeuner chez toi? Je le prends, maman. De toutes les façons, je sais quoi faire. Le riz avait le bondi du soda. Hélène. Tonya. C'est ça. Prends-le, prends-le. Ça, c'est son programme d'alimentation. Je veux que tu t'en serves comme un guide. Pour lui, cuisiner des plats nourrissants, ok? Plus de nourriture de mauvaise qualité, parce que ça nous empoisonne. J'espère que tu as compris. Maintenant, on va l'afficher quelque part dans la cuisine. Le riz et du pudding du soja. Oui, comme je l'ai dit, je veux 4 greffes, 2 jolies greffes. Non, rien de particulier. Attendez une minute, je demande à ma femme. Bébé, souhaites-tu avoir une couleur particulière pour une greffe péruvienne? Moi? Oui. C'est à moi que tu poses ta question? Voyons, bébé. Ah, bébé. Es-tu sûr que c'est à moi que tu devrais poser cette question? Je ne suis pas la bonne personne à qui tu dois poser la question. Prends quelque chose de joli, ce qu'elle pourra aimer. Ok, quand est-ce que tu l'apportes? D'accord, super, merci. Merci, merci. Bye bye. C'était quoi ça? Eh ben, ta question. Que voulais-tu insinuer? À quelle fin fais-tu ça? Quand tu me demandes ce que je veux et je le dis,
Tu ne le respectes pas. Ça ne vaut pas la peine, non? Tu finis d'où je pars. Retournez demander l'avis de l'autorité compétente. Ça n'a aucun sens. Quoi, tu dois arrêter ça. Tu deviens insupportable et c'est pas bon pour notre mariage. Ce mariage est très jeune. Arrête ça. Je suis désolée, votre majesté. Qu'est-ce que vous voudriez que je fasse? Tonia, je ne suis pas en train de m'amuser. Arrête, s'il te plaît. Je ne veux pas que ma mère constate ce genre d'attitude. Ce genre d'attitude. S'il te plaît, je ne veux pas être embêtée par toi. D'accord. Ma fille, tu veux savoir ce que je ressens? Tu le veux? Je suis en colère. Je suis vexée, franchement. Je commence déjà à détester ce mariage. Dégage de là. Tonia! Tonia! C'était quoi cette scène? Est-ce que c'est mauvais de t'acheter des greffes? T'as une seule idée de combien ça coûte, Tonia? Il est vraiment bon, mais où l'as-tu acheté? Je l'ai acheté la dernière fois que je voyage. Waouh! Ouais, c'est l'une des marques espagnoles. Waouh, il est vraiment bon. Ça me revient. Je suis vraiment désolée d'avoir raté le conseil général de la réunion des femmes. Tu l'as raté? Mais tu sais que je devais rentrer ici. Mais parce que mon fils s'est marié. Je veux dire, je devais être là pour eux. Mais je pense qu'il est en lune de miel. Oui, ils y étaient, mais je devais le rappeler à la maison quelques jours après. Tu as fait quoi? C'est mon fils, non? Ma fille me manquait. Sais-tu que Murphy est marié? Il a une nouvelle femme et une nouvelle maison. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Écoute. Je ne pouvais pas me retenir. En plus, je leur ai donné. 72 heures et plus. Et alors, je devais le rappeler. Tu y as accordé à un homme un nouveau mari en plus. 72 heures avec sa femme. Et tu le dis avec fierté. Ça va bien chez toi? Ah. Il doit profiter de sa femme, de son foyer. Et tu ne dois pas interférer, tu le sais? Femme? Ma chère, si tu sais ce que cette fille faisait. Hé hé. Elle veut empoisonner mon fils. Elle ne peut pas cuisiner. Elle ne peut pas prendre soin de lui. Hein? Juste ce matin, si tu voyais ce que je l'ai attrapé en train de cuisiner pour mon fils. Comment l'a-t-elle encore appelé? Le riz au pudding, le soja, quelque chose. Pour le petit déjeuner. Et tout ce qu'elle a dans son réfrigérateur, c'est des glucides, des glucides, des glucides. C'est quoi? Sais-tu si ton fils apprécie cela? Sais-tu s'il l'aime? Ah non, je sais qu'il n'aime pas ça. C'est mon fils. Je sais ce qui est bien pour lui. Non. Si je reste calme, cette fille va empoisonner mon fils. Ah non. Je dois être ici pour lui. Et tu sais, et tu comprends. Oui, nous étions tellement amoureux. Si bien que les amis, la famille, nous enviaient tellement beaucoup. Et partout où tu voyais mon mari William, j'étais toujours à ses côtés. Waouh. Ah, notre mariage était beau. C'est beau. C'est tellement beau. Oui. Très beau à être envié. Et qu'en est-il de votre belle-mère? Oh, cette femme est un ange. Ah, elle m'a tellement soutenue. Oh. Je l'aimais beaucoup. Waouh, regardez ces belles femmes de l'Empire, William. Comment vous allez, mes chéris? Je vais bien. Bienvenue. Bienvenue, mon fils. Tu m'as manqué aussi. Bienvenue, bébé. Alors, de quoi parlez-vous? Puis-je vous joindre? Oui, viens t'asseoir. Bébé, ça va. Viens t'asseoir près maman, de ta mère. Tu m'as manqué. Je sais. Comment tu vas? Comment a été la journée? Très bien, maman. C'est très bien. Ah, maman. J'ai eu une petite fièvre aujourd'hui. Oh, désolée, mon amour. Ah, Tonia, ton mari a eu de la fièvre aujourd'hui. Tu dois lui donner du paracétamol, ok? Désolée pour ça. As-tu mangé? Maman, j'ai faim. Je veux manger. Qu'aimerais-tu manger? Une soupe. Tonia, trouve des cachets à ton mari. Laisse-moi le chercher à manger. Bébé? Alors... Laisse-moi te trouver des médicaments pour la fièvre. Alors, il a repris le travail? Oui, il y a une semaine. Comment va ta patronne? Ta belle-mère? Ne m'en parle pas, honnêtement. J'ai envie de balancer cette femme à terre. Calme-toi, chérie, s'il te plaît. On n'en est pas encore là. Et tu vois, Murphy, c'est son fils unique. J'ai remarqué que toutes ces grandes femmes,
aiment s'attacher et se coller à leurs enfants. Accorde-lui du temps. Tu sais à quel point c'est irritant? Oui. Suis-je pas aussi l'enfant de quelqu'un? Non. Ne suis-je pas l'enfant de quelqu'un? Imaginons juste ma fille à ma place. Et que c'était ma mère qui lui faisait ça. Aurait-il supporté? Sais-tu que ça m'est allé jusqu'à mettre sur pied un programme d'alimentation pour que je m'adapte strictement à ça? Un programme? Oui. Tu veux dire que tu utilises un programme chez toi maintenant? Elle dit que c'est pour maintenir une alimentation équilibrée. Waouh. Chérie, c'est sérieux. Ça veut dire que j'ai pratiquement ta maison. Oh oui, elle le fait. Ne t'en fais pas. Quand tu viendras chez moi, tu le verras. Mm-mm. Je ne viendrai voir quoi que ce soit. Parce que moi, je lui dirai ce que je pense. Ah ah. Voyons, ma chérie. Ça devient incontrôlable. Honnêtement. Que vas-tu faire? Je ne sais pas. Mais... mais un jour, je serai obligée de faire quelque chose. Je ferai certainement quelque chose. Hé, hey, ne fais rien. Écoute, chérie, quel que soit ce que tu feras, je te conseillerai de ne jamais l'affronter. Sinon, les choses vont s'empirer pour toi. Ne t'inquiète pas, j'irai bien. Je le sais. C'est quand même toi, Tonia. Tu en es capable. Tu sais que tu peux le faire. Attends, c'est que j'ai un début sur ça. Pardon, demande-moi la nourriture. Fais vite. Accorde-toi et tes caprices. Ok, je te donne de la vraie bouffe. Que veux-tu manger? Edigaïkan et l'ignampilé. L'ignampilé et non l'ignampilé. Je n'ai aucune ignampilé ou pelé. Tu mangeras des biscuits ou des... Tu ferais mieux à l'apprendre maintenant. Pourquoi ta belle-mère ne vient pas gérer ta maison? Excuse-moi. Que ma belle-mère... Va apprendre à piler. Pile l'igname. Tonia? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air très contente. Comment le saurais-je? Oui, dis-moi. Quelles seront les raisons de mon bonheur? Comme ta mère, elle a me frustré dans mon mariage. En fait, elle vit mon mariage plus que moi. Tu sais, j'ai parlé de tout ceci à Murphy. Et il est le seul à pouvoir raisonner, maman. Murphy? Oui. Murphy ne voit rien de mal à ce qu'elle fait. En fait, Murphy ne veut même pas grandir. Ok, calme-toi. S'il te plaît, je vais leur parler à tous les deux. D'accord? On peut partir maintenant? Mon Dieu. Merci. Je t'en prie. J'arrive. Hey, bébé. Tu y rentres tôt? Qu'est-ce que c'était passé? Ouais, j'avais pas trop de boulot au bureau, alors j'ai décidé de rentrer et de passer un bon moment avec ma femme. C'est bien. Bébé, j'ai faim. Et à quoi manger ici? Spike. Des pâtes? Mm-hmm. C'est quoi des pâtes, bébé? S'il te plaît, j'ai pas envie d'avaler ça. Bébé, je suis les règles de ta mère. Non, bébé, je n'avalerai pas ça. Je veux pas de ça. Bébé, s'il te plaît, je veux la sauce. Es-tu sûr? Oui. Ok. Quelle sauce aimerais-tu manger? N'importe quelle soupe, ça ira, s'il te plaît. Il n'y a pas de soupe à la maison, je dois courir au marché acheter des ingrédients pour la soupe. D'accord, fais-le. Moi, je vais monter pour me rafraîchir et me préparer à manger quelque chose de bon. Bébé, s'il te plaît, fais vite. Ah! Peut-être D'accord. que je devais être s'il le mari pour que tu viennes faire cette sauce. Mais non, bébé, je sais que tu peux le faire. J'ai fait des spaghettis maintenant, tu dis que tu veux la sauce. Allez, vas-y, laisse-moi. Je t'attends. Laisse-moi. À tout à l'heure. Demain, je ferai le mets, toi, tu feras la femme. C'est tellement bon. Maintenant, tu aimes ça. Tu voulais que je fasse quoi? Bébé, c'est vraiment délicieux. Tu ne m'as pas dit merci pour le stress dans lequel tu m'as mise. Quel stress? Je te récompenserai dans la chambre. Vraiment? T'en fais pas. Oh mon Dieu. Pourquoi tu me récompenserais dans une autre pièce? Allons, je sais que tu aimes ça. Salut. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Que se passe-t-il ici? Maman, crois-moi, maman. Crois-moi, maman. Cette nourriture, c'est un autre niveau. Ah. C'est quoi ça? Du couscous. Tonia. C'est ceci qui était supposé être au programme? Non, maman.
Et pourquoi tu lui as servi ça? Il en a fait spécialement la demande. Il a dit qu'il voulait une sauce. Mm-hmm. Ce couscous n'a pas l'air bon. Attends, ne le mange maman, pas. Maman, ça va, c'est bon. Calme-toi, c'est regarde, bon. Regarde, c'est bon. Ce n'est pas assez cuit. Oui, c'est juste pour ce soir. Ah! Maman, c'est bon. Allez, viens goûter. Assieds-toi. J'attendais quelque chose de mieux de toi. Hein? J'attendais mieux de toi. Comme tu le sais, comment tu fais ce couscous? De la même façon qu'on fait le couscous, maman. Hmm? J'ai fait bouillir de l'eau, j'ai fait la farine dedans et j'ai tourné. Hey. Donc tu ne sais même pas comment faire du couscous. Je dois aussi t'apprendre à faire ça. Hey. Non mon fils, tu ne peux pas manger ça. Laisse-moi aller faire un autre pour toi. Tu ne peux pas manger ça. Maman, ça va, hein? C'est doux comme du gâteau. Hey. Maman, tu rates. Maman, allez, écoute. Non. Une femme qui ne sait même pas cuisiner. Maman, tu rates. Bébé, ça va? Pourquoi fait-elle toujours ça? Qui fait toujours quoi? Qui d'autre? Ta mère. Il y a qui d'autre dans cette maison avec nous? Chérie, tu parles comme si ma mère et toi êtes devenus des ennemis maintenant. Bébé, ne le vois-tu pas? Tu ne vois pas ce qu'elle est en train de faire? Qu'elle me frustre? Elle ne veut pas nous laisser tranquilles. Bébé, je pense qu'elle essaye... Elle essaye de t'aider à prendre soin de moi. Tu sais qu'elle a pris soin de moi toute ma vie. Me faire à manger. Je veux dire, elle a pris part à tout ce que je faisais. Elle veut juste nous aider à construire notre foyer. Construire notre foyer? C'est ce que je pense. Est-ce que tu t'entends parler? Si elle essaye d'aider, je ne vois aucun problème. Mais si elle essaye de construire notre foyer, alors c'est mal. Nous sommes un jeune couple, nous devons trouver notre voie. C'est à nous de construire notre foyer et non à ta maman de le faire. Je ne suis pas mariée à ta mère. C'est à toi. Tu sais, je suis choquée. Je suis choquée de t'entendre parler de la première personne qui m'a encouragée à t'épouser. Ma fille! Maman! Attends. Maman, te voit bien? Oui, il y a quelque chose que j'ai envie de parler avec toi depuis, mais j'oublie sans cesse. D'accord. Tu veux me le demander maintenant ou je dois te le rappeler après? Ce n'est pas une chose qui te prendra beaucoup de temps. D'accord. Vas-y. Écoute, c'est à propos de toi et de cette fille. Hmm? Je veux dire, où va votre relation? Puisque tu as dit l'aimer et vous êtes sûr de vos sentiments que vous ressentez l'un pour l'autre, pourquoi traîner? Pourquoi tu ne l'épouses pas? En fait, j'encourage les jeunes filles à ne pas s'éterniser dans les longues relations. Tu peux commencer à fonder une famille. Qu'attends-tu? Maman, on dirait que t'as un plan. On en reparle quand je reviens. Je t'aime. Je t'aime aussi, mais pensez-y. D'accord, maman. Le bébé, viens, on y va. J'aurais dû savoir que j'épouse un fils à maman. Tu vois, ce sont les conséquences des repas tardifs. Nous ne pouvions même pas terminer notre discussion. Nous n'avions même pas eu une conversation et s'est endormi. Hein? Ma fille, réveille-toi. Réveille-toi. Ma fille. Manger tard,
C'est pour ne pas dire ton couscous mal cuit. Hein? Tu vois, c'est ce qui a causé ça. Il ne pourrait ne pas se réveiller avant demain. Hein? En plus, comme il avait tellement faim, il n'a pas arrêté de manger. Même quand je lui ai demandé d'arrêter. Hein? Il a mangé assez. Hein? À ce rythme, je ne sais même pas s'il va se réveiller le matin. Mon fils. Dors. Dors. Dors, hein? Dors. Ça va? Bébé? Quoi ton ventre? Bébé, tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te dérange? Appelle maman, appelle maman. Bébé, maman, appelle maman. Maman? 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 Appelle maman. 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 Mon fils. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ça fait mal. Ton ventre? Oui. Oh mon Dieu. As-tu vu ça? Tu vois, Tonia? Je l'ai bien dit. Hein? Tu as vu ce que tu as causé maintenant? Hein? C'est ce couscous que tu as donné à ton mari qui a causé ceci. Un couscous mal cuit. Tu as vu? T'as une intoxication alimentaire. Désolée, mon cher. Désolée. Je dois appeler le médecin. Oui. Apporte mon téléphone, que j'appelle le médecin. Amène-moi à l'hôpital. Non. Ce n'est pas aussi grave, mon fils. Couche-toi. Soulève ta tête, ce n'est pas aussi grave. Je suis certaine que c'est ce couscous que tu as trop mangé qui en est la cause. Merci beaucoup, docteur. Je n'ai fait que mon travail. Alors quand est-ce qu'il va commencer à prendre les médicaments? Il peut les prendre après le repas. D'accord. Uniquement après le repas. D'accord. Merci beaucoup. Merci, j'y vais. Laisse-moi lui demander ce qu'il veut manger. Ça va aller, hein? Ça va aller, mon fils. Ça va aller, maman. Hey, Murphy. Comment tu vas, grand frère? Ça va, je me sens mieux. Je suis vraiment désolée. J'étais tellement inquiète quand maman m'a appelée ce matin. Dieu merci, tu vas mieux maintenant. Ma chère, si je n'étais pas présente dans cette maison, hein, Tonia aurait tué ton frère. Elle lui a donné un couscous mal cuit. Ce n'est pas l'intoxication alimentaire. Elle l'aurait tué. Intoxication alimentaire? Comment ça? Du couscous mal cuit, non? À 10h du soir. Hein? Elle veut prendre la vie de mon fils. Tu te rends compte? Maman, c'était vraiment méchant. Maman, je suis sûre qu'elle n'aurait jamais voulu délibérément nuire à son mari. Qui a dit qu'elle a fait ça de façon délibérée? En fait, oui, c'est délibéré. Hein? Quand une femme ne peut pas nourrir son mari à des heures appropriées. Pardon, veille sur lui pendant que je vais surveiller ce que j'ai mis au feu. Maman, ce que tu fais n'est pas bien du tout. Fils, prends soin de toi. Pas du tout. Je reviens. Grand frère, vraiment désolé. Hein. Désolé. Ça va aller, d'accord? Je reviens, laisse-moi aller voir Tania. Tania? Tu es là? Allez, chérie, tu es triste? Allez, ne pleure pas. Comment maman peut-elle me dire une chose pareille? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je suis vraiment désolée. Je suis sûre que maman ne le pensait même pas. S'il te plaît. Désolée.
Ne pleure pas. Elle dit que j'ai voulu tuer Murphy. Pourquoi le ferais-je? Je gagnerai quoi le faisant? S'il te plaît, Tonya, il faut comprendre. Je suis désolée que mon frère ait à te causer tant de peine. S'il te plaît, essuie tes larmes. Je suis désolée. Ne pleure pas. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée que mon frère ait à te causer autant de peine, Tonya. Je suis désolée. Mais ça en est de trop. Comment? Comment est-ce que je peux oublier ça? Quand je le vois juste assis là, incapable de dire un mot. Comment est-ce possible? Dis-moi. Non, dis-moi. Calme-toi. Je te comprends. Non, 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 tu comprends pas. Tu ne comprends pas. Tonya, je te comprends parfaitement. Mais tu dois prendre les choses doucement pour ne pas te faire du mal, chérie. Écoute, je suis certaine que ta belle-mère se rendra compte que tout ce qu'elle te fait subir est mal. S'il te plaît. Oui, elle s'en rendra compte après m'avoir frustrée. Après m'avoir fait passer par cette sévérité pour un crime que je n'ai jamais commis. Ne parle pas de la sorte, ça n'arrivera pas à ce niveau. Chérie, je suis désolée. Maman, tu m'as appelée. Oui, Tonya. Pourquoi es-tu allée t'enfermer dans la chambre quand tu m'as vu revenir du marché? Ou alors tu ne savais pas qu'il n'y avait plus de nourriture dans cette maison? Maman, je compte aller au marché plus tard. Plus tard. Comme ça, quand tu reviendras à la maison, tu feras ces repas tardifs que tu as l'habitude de servir à mon fils. Or, tu n'as pas encore réalisé que son système n'accepte pas les repas tardifs. Hein? Maman, j'ai... De toutes les façons, j'ai acheté tout ce dont tu auras besoin pour les 3 semaines à venir dans cette maison. Alors... 3 semaines? Oh oui. Oh, je sais. Et malgré tout, les aliments frais restent les meilleurs. Tu sais, indépendamment de tous ces plats rapides aujourd'hui, tu dois te rassurer qu'ils mangent des aliments frais tous les jours. D'accord? Et rassure-toi de ne pas affamer mon fils. Oui, maman. Voici les épices du pépé soupe. Rassure-toi de ne pas trop le pimenter. Épice le juste. D'accord? Je suis fatiguée, je dois aller me reposer. D'accord, maman. Oh. Wow. D'accord. Tonya, à toi de jouer. Becky, t'ai-je pas dit que rien n'était sur le point de changer dans cette maison? Ma belle-mère ne me laissera pas tranquille. Elle est allée au marché faire des courses pour ma maison. Fait des courses pour 3 semaines. Après, elle est revenue et m'a donné des instructions sur la façon d'utiliser les ingrédients. Quand utiliser? Comment utiliser? Je n'en peux plus. Honnêtement, je suis fatiguée. Maman, la sauce est très délicieuse. Tu aimes? Quoi? Voyons, maman, tu sais que c'est bon. Le poisson est bon, mais j'ai un problème avec la sauce. Elle est trop épicée. Maman... Et même ce poisson est trop salé. Ah ah! Ma femme s'est bien débrouillée. Bébé, c'est bon, d'accord? Merci, bébé. Le pépé soupe était trop épicé. C'est sûrement ce qui le dérange. Hein? Toi, cette fille, tu ne vas pas tuer mon fils, oh! Hey! Mais ce sont les épices que tu m'as demandé d'utiliser pour faire le pépé soupe, non? Tu m'as spécialement demandé de faire le pépé soupe épicé et j'ai suivi tes instructions. Tu m'as donné les épices et j'ai utilisé et maintenant tu m'accuses de vouloir tuer ton fils. Tonya, es-tu un enfant? Hein? Hey, comment pourrais-je savoir que tu n'es pas assez femme pour mesurer une façon adéquate des épices, hein, Tonya? Devrais-je t'enseigner aussi cela? Hey!
Bonsoir. Docteur, à l'étage. Les résultats de tous les examens effectués nous ont poussé à faire un examen de la prostate. Et nous avons découvert que sa prostate est maintenant de 2 fois plus large que la taille normale. On doit lui faire une résection endoscopique transurétale de la prostate. Cette opération permettra de réduire la pression sur son urètre et de le soulager. Opération? Mais docteur, n'y a-t-il donc aucun médicament pour ça? Oui, bien sûr que si. Mais docteur, pourquoi l'opération? En considérant ce que ça peut impliquer. Retarder l'opération face à une situation comme celle-ci peut conduire à un cancer. Et en ce moment, on n'aura plus que 50% de chances de réussite. Et dans ces cas-là, toute opération pourrait causer une infertilité. Ah! Docteur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner plus de détails sur tout ceci? Alors, habituellement, chez un homme, la prostate commence à s'élargir à partir de l'âge de 40 ans. Et à cet âge, le processus est appelé hyperplasie bénigne de la prostate. Ces cas arrivent quand toute tentative de réduction a échoué. Mais vous parlez d'âge. Mais ma fille n'a que 31 ans. Alors, y aurait-tu eu un déclencheur de cette chose? Malheureusement, les causes principales de cette situation demeurent encore inconnues, mais vous devez éviter d'aggraver les symptômes. Il ne doit pas garder les urines. Et surtout, le plus important encore, il doit éviter les boissons à base de café, l'alcool et les plats épicés. Tonia, as-tu entendu? Prête très bien l'oreille. Des repas tard et des repas épicés ne sont plus permis, hein? Merci, docteur. Merci, docteur Léo. Merci. Je l'avais dit. Tu vois? Hein? Ta cousine veut maintenant causer des problèmes à mon fils. Infertilité. Hey! Oui, oh, Madame Caro. Ma sœur. C'est ce que je vis en ce moment. Hein? Je ne comprends pas pourquoi ce genre de problème peut le toucher à un si jeune âge. Hein? Ah, on ne sait pas encore. N'est-ce pas? Hein? Merci beaucoup. En fait, je vais lui demander maintenant. Hein? Ne t'inquiète pas, on parlera plus tard. Je vais lui poser la question. Merci, Caro. Merci. Je te fais signe plus tard. Oui. Merci beaucoup, mon ami Caro. Merci. Tonia! Tonia! Oui, maman? S'il te plaît, viens. Ma femme. Oui, maman. Viens t'asseoir. Assieds-toi, non? Ah, Onem, ma fille. Oui, comment maman. Tu vas? Tu sais, ça fait 3 mois que tu es déjà mariée. Et je pense que c'est suffisant pour toi que tu sois déjà enceinte. Et puis, tel que je te vois, es-tu sûre qu'il n'y a rien là? Non, maman, je ne suis pas enceinte. Pourquoi non? Tu as déjà vu quoi? Regardez-moi cette femme. Au lieu de me demander des excuses pour tout ce qu'elle a fait, elle a encore le toupet de parler. D'accord. Viens porter le petit-fils. Tonia, es-tu sûre? Hein? Je veux dire, regarde-toi juste. Même ton nez est en train de changer. Et il a grossi. Maman, tu commences à voir les choses, oh? C'est à cause du grossissement de la prostate dont l'obédécent nous a parlé. Ma fille, je sais que tu es fâchée contre moi, mais je suis désolée, hein? Écoute, un jour, tu verras, toi aussi tu deviendras une mère. Et tu comprendras de quoi je parle, hein? Ne sois pas fâchée, hein, ma chérie? Ça va aller, Ne t'en fais pas, maman, je te donnerai des jumeaux. Hein? Des jumeaux? Hey!
je t'offrirai autant de cadeaux que tu voudras. Je vais d'abord t'acheter une bague en diamant pour les premiers J'aime jours. J'aime celle-ci. Oui, la grosse, la plus grosse. Ok. Hein? Et puis, je te donnerai... Et je te donnerai mes demi triplés. Hey! Je n'aurai plus rien à demander. Cinq enfants. Cinq enfants. Oui. Hey. Tu veux que je cuisine pour toi? Je vais épicer. Non, 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 non. C'est bon. Merci. Pas d'épices. Tonya. Allô, chérie? Becky? Je ne sais pas, ou je dois jubiler ou faire autre chose depuis que ma fille a fait ses examens de prostate. Ah, tout a changé. Ah, je crois qu'il n'y a aucune raison de jubiler. Ah, tu devrais être inquiète sur l'infertilité de ton mari. Oh, je ne sais pas. Ah, tu aurais dû le voir, me chouchouter et me parler gentiment. Et moi, je rugissais. Ça alors, Tonya, qu'est-ce qui t'arrive? Ma copine... Pardon, pardon, ne sois pas rabat-joie. Hein? C'est la première fois que je me sens comme une femme mariée. Ne viens pas me gâter les choses, pardon. De toute façon, je suis heureuse pour toi. Tu es mon amie. Si tu es heureuse, je le suis également. Hein? En passant, par rapport à ces pilules, j'espère que tu vas arrêter de les prendre. Ou... Bien sûr, non. Je veux dire, qui ne voudrait pas avoir des enfants? C'est juste que ma fille et moi, on s'est entendu d'attendre un peu, afin d'avoir du temps pour nous. Cela... Avant qu'un être n'arrive. Si je savais, j'aurais commencé à chercher le bébé. C'est que maintenant, je suis enceinte. Je ne te l'ai pas dit. Ma belle-mère. Ha! M'a appelée et m'a demandé pourquoi je ne suis pas encore enceinte. Ah! Elle a fait ça? Que lui as-tu dit? Ah, ma sœur. Je ne m'en souviens plus. De toute façon, ce n'est pas un souci. Mais ce problème de prostate, chérie, je t'assure, peut être traité. Oui, le médecin l'a aussi mentionné. Et il dit que ça pouvait conduire au cancer. Je ne sais pas, honnêtement, ça fait peur. Ah, ah. Ce n'est pas vrai. Le problème de prostate du mari de ma sœur a été traité par un spécialiste, un urologue. Après cela, ils ont eu deux enfants. Vraiment? S'il te plaît, où se trouve l'hôpital de cet urologue? Je ne sais pas, mais je demanderai à ma sœur. S'il te plaît, fais-le parce que... C'est vraiment effrayant. Nous sommes tous effrayés. Vous ne devriez pas l'être. Ton mari guérira, crois-moi. Moi, je préfère le traitement parce que l'opération fait peur. S'il te plaît, j'ai besoin du numéro de ce type. Ma chérie, tu t'entends? C'est le traitement que tu veux. Ce que ta mère a l'habitude de faire, voilà ça qui t'arrive. De toute façon, chérie, on doit faire mâcher ce truc parce que c'est très important. Oublie cette chose. Je t'en prie, oublie ça, honnêtement. Folle fille. Ok. Maman, le problème, c'est que Tonya prend des pilules. Tu sais, nous nous sommes mis d'accord d'attendre un an après le mariage avant d'avoir des enfants. Quoi? Comment as-tu pu être d'accord pour un acte aussi ignoble? Maman, ne crie pas. Destructeur. Maman. Maman. Quoi? Sans même m'en parler. Maman, j'aurais pu te dire. Mais m'a fait promettre de ne dire à personne. C'est juste entre nous deux. Je l'ai bien dit. Ça ne m'étonne pas. Tu sais, je l'ai regardé, mais je ne voulais juste rien dire. Tu sais, je me suis demandé comment une si jeune fille mariée et ne pas être capable de concevoir après 3 mois de mariage. Maintenant, l'autre problème, c'est que je lui ai parlé, mais elle refuse d'arrêter de prendre les pilules. Je ne sais pas quoi. Est-elle folle? Pourquoi insiste-t-elle sur cet acte? Elle ne veut pas que tu aies d'enfant? Oh mon Dieu, appelle-la moi, je dois lui parler. Maman, 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 s'il te plaît, ne l'appelle surtout pas. Ne me dis pas comment je dois lui parler. Va l'appeler. Ça va, je suis là. Pas besoin de m'appeler. Hein? Bébé. S'il te plaît, m'appelle pas bébé. Regarde-toi, tu n'as même pas changé. Tu es toujours comme ça. Et tu veux devenir père. Vraiment. Tonya. Waouh. De quel droit te permets-tu d'embarquer mon fils dans un acte aussi ignoble? Hein? Avec tout le respect que je te dois. Les gens se préparent avant de faire les enfants. Meuf et moi,
avions planifié d'en faire après un an. Je ne sais même pas de quoi il veut parler, de toutes les façons. Si quelqu'un doit changer, ça doit être ce gros bébé. Parce que toute seule, je ne suis pas prête à élever un enfant et un mari. Comment oses-tu parler à mon fils de cette façon, en ma présence? Hein? Maman, avec tout le respect, tu dois connaître la vérité. Honnêtement, si j'avais su que ça allait être ainsi, on devait en parler avant de se marier. Excusez-moi. Tonia, comment oses-tu tourner le dos à ma mère ici? Reviens ici! Tu n'as pas de respect? Tonia! Quoi? Maman, laisse-moi, ça va? Maman, tu es la cause de tout ceci. Je suis désolé. Comment as-tu pu accepter un acte aussi affreux? S'il te plaît. T'énerve pas, ça va? Ça ne va pas, ne me dis plus ça, c'est de ta faute. Ah? Oh! Je dois faire quelque chose. Quoi? Oh, cette fille veut me tenter. Si elle pense qu'elle va continuer à prendre ses pilules contraceptives dans cette maison, hein? Elle blague. Elle n'a même pas honte. Regarde-la. Hein? Elle n'a même pas honte. Je veux dire, ses égales qui sont déjà mariées sont enceintes et ont déjà des enfants. Elle est là, elle se ment à elle-même. Maman, tu ne penses pas que tu es dure envers elle? Tais-toi! Ne me dis pas ça! Comment peux-tu accepter une chose pareille? Maman, on ne savait pas que quelque chose allait arriver. On faisait juste une planification entre nous. Comment peux-tu dire que tu auras des enfants qu'après 2 ans de mariage? Où as-tu entendu cela? Et tu ne m'as pas dit! Tu es censé tout me dire! Mais j'ai dit que t'es désolée. Ah non, ce n'est pas correct! Maman, dépêche, viens, fouille! Fouille! Jette un coup d'œil là-bas. Je ne vois rien. Elle a sûrement caché, maman. Ah, cette fille est mauvaise. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? J'en sais rien. Ah, j'ai supplié. Je lui ai dit d'arrêter de prendre cette pilule. Elle veut juste continuer à prendre cette pilule. Regardons plutôt là. Tu veux jeter un coup d'œil là-bas? Là. Voilà. C'est pas vrai. Ah, ce n'est pas là. Peut-être qu'elle a ça dans sa poche. Comment peut-elle garder ça dans ses poches et faire les allers-retours? On ne sait jamais. Ça doit être quelque part dans cette chambre. On regarde. Dans les toilettes. Oui. Grand frère, je suis très très déçue de toi, vraiment. Mais que fais-tu de ces vœux que tu as présentés devant Dieu et les hommes? Si tu savais que tu n'étais pas prêt à être un homme, pourquoi t'être marié? Regarde le stress dans lequel tu mets cette pauvre fille. Eunice, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Devrais-je couper les ponts avec ma mère parce que je me suis marié? Mais qu'est-ce que tu dis? Grand frère, je ne te demande pas de couper les ponts avec maman. Ce que je dis, c'est que tu dois lui faire comprendre que tu es un homme maintenant. C'est pas le cas? Avec ton état de santé actuel, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Tu dois faire comprendre à maman que tu es un homme maintenant et tu peux gérer certaines situations seule. J'ai compris. Eunice, s'il te plaît, j'aimerais que tu parles à Tonia pour moi, afin qu'elle arrête de prendre ses pilules. Tonia ne m'écoute pas du tout. Grand frère, tu dois le faire toi-même. Je ne peux pas soutenir cela. Pas après tout ce qui s'est passé. Eunice, j'ai essayé. J'ai essayé, mais elle ne m'écoute pas. Il faut que quelqu'un d'autre lui parle. Essaye encore. C'est pour ça qu'elle est ta femme. Je suis sûre qu'elle aussi, elle est prête à devenir maman. D'accord. Donc, Tanti Caro, c'est pourquoi je suis devenue tellement attachée à ma mère au détriment de ma femme. Quand j'ai compris mon erreur, j'ai décidé de lui parler. Elle refuse de m'écouter. Elle ne veut pas m'écouter. Je suis ravie que tu aies décidé d'agir comme un homme. De prendre tes responsabilités en main. Mais... Tanjin Karo,
Je voudrais que tu m'aides à parler à ma mère pour qu'elle puisse comprendre et me laisser tranquille. Je le ferai, mais tu sais à quel point ta mère est têtue. C'est à cela que je pense. Mais Tantine, je ferai de mon mieux. S'il te plaît, essaye. Je le ferai. Essaye, s'il te plaît. Parce que je veux me débarrasser de cette emprise qu'elle a sur moi, car ma mère ne veut pas me laisser faire. Je le ferai. Fais pas de soucis. Je ferai franchement de mon mieux, d'accord? Merci. Je vais essayer. Merci, mon tante Caro. Je serai très reconnaissant. D'accord. Tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord? D'accord. Je le ferai de mon mieux. Alors, comment va ta femme? Elle est dedans. Laisse-moi l'appeler. Oh, je reviens. D'accord. Non, mais vraiment, pourquoi ne peut-elle pas laisser son fils tranquille depuis le jour de son mariage, hein? Oui, pourquoi? Je suis... T'es très belle. Merci beaucoup. Merci. Je suis venue pour une discussion vraiment importante. Oh? Qu'est-ce que c'est? De quoi pourrait-il s'agir? À propos de toi, ta belle-fille et ton fils. Quoi à propos de nous? Tu dois laisser ta belle-fille tranquille. Laisse-la gérer sa maison comme elle le pense. Dont elle a eu le courage de venir se plaindre de moi chez toi, hein? Auprès de qui devrais-je-t-elle se plaindre? Ses parents? Pense-y. Mon ami, tu connais mon histoire. Il n'y a rien sur moi que tu ne saches. Tu sais comment j'ai presque ruiné le mariage de mon fils. Vu comment tu te comportes, cette fille va fuir de son foyer. Elle va s'enfuir. Je m'en fous. Et puis aller sur la lune, je m'en fous. Ah ah! Cette fille ne connaît même pas tenir une maison. Hein? Tu as besoin de voir le genre de conneries qu'elle fait. S'il te plaît, parlons de choses plus intéressantes. J'ai vu que ta marchandise est déjà arrivée. Alors quand? C'est déjà à la boutique? Ils sont dans la boutique. Mais ta maison est plus importante que cela. Caro, oublie tout ça, pardon. Si je commence à te raconter tout ce que cette fille fait, ça te fatiguera. Vraiment, mon ami, tu exagères. Laisse cette fille tranquille. Alors, voilà pourquoi les membres de la famille se sont rassemblés pour résoudre le problème, hein? Ils ont demandé à ton père, puis à ton oncle. Ils ne pouvaient pas répondre et j'étais la seule à pouvoir le dire. Mais je n'étais pas prête à le faire. Maman. Maman. Ah, l'histoire très intéressante. Je suis tellement fatiguée, je vais aller me coucher maintenant. Bébé, allons dormir. Bébé, je veux écouter la fin de cette histoire. Maman, tu dois me dire. C'est quoi que tu n'as pas dit à mon père? Maman, tu dois me le dire, s'il te plaît. Tu ne me l'as pas dit, non? Tu n'as pas dit à mon père, encore moins à mon oncle, alors tu dois le faire maintenant. Je ne vais rien te dire. Non, 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 maman, tu dois me le dire. C'est pas juste. Bonne nuit, maman. Bébé, j'ai un message, d'accord? Ok, sans problème. Maman, tu dois me donner ce scoop. Ah, alors, il s'agissait de quoi? Ah, tu dois suivre ta femme dans la chambre. Mais maman, tu vas pas te coucher maintenant? On continue? Non, je t'ai dit que tu dois le faire tous les lundis, mercredis et vendredis. Aujourd'hui, c'est mercredi. Maman, c'est... Et aujourd'hui, tu dois le faire pas derrière, pour la faire tomber maman, enceinte. Comment? Mais maman, c'est pas comme un devoir. Je t'ai dit, et nous avons parlé de ça. Je peux pas le faire tout le temps quand même. Écoute, elle va prendre ses pilules. Tu ne veux pas la faire tomber enceinte? Vas-y maintenant. Maman, je suis fatiguée. Cette chose n'est pas comme un travail en plein temps. Je suis fatiguée. Essaye de prendre plaisir, d'accord? Essaye de prendre plaisir. Je te fais confiance. Oui. Oh, bébé. Dis-moi, pourquoi t'es si sexy? Allez. Il y a quoi? Il y a quoi? Quoi? Quelqu'un ne peut-il pas admirer sa femme sans arrière-pensée? Je connais ce regard. Il ne traduit pas de l'admiration. Je sais pas. Ça traduit autre chose. Ah ah! Je l'ai deviné. Ta mère et toi faites des choses chaque fois que nous nous chamaillons. Je sais pas de quoi tu parles. D'accord. De quoi est-ce que tu parles? Tu sais quoi? Ça va, quel que soit le problème. J'ai jeté toutes les pilules aux toilettes dans... Vraiment? Dans ta face, oui. Vraiment? Ne t'approche pas, laisse-moi. Bébé, non. Tu sais que c'est pour moi, ne me touche pas, laisse-moi.
tu ne m'aimes pas, tu n'auras pas ce soir. Allez, laisse-moi, toi, je ne suis pas d'humeur. Laisse-moi, arrête. Arrête. Salut bébé. Qu'est-ce que tu fais? Bébé, s'il te plaît, arrête, tu ne dois plus faire ça. Arrête pas en ce moment quand même. Bébé. Oui. Toi et moi, nous avons un accord qu'on attendrait un an avant d'avoir les enfants. Alors quel est le problème? Oui bébé, mais c'était avant. Les choses ont changé bébé. Les choses ont changé. Tu sais que je me sens beaucoup mieux maintenant et mon doudou est prêt. C'est le bon moment pour nous de faire, tu sais, on peut avoir notre propre enfant, bébé, c'est le moment, hein. Alors ton état de santé a tout changé. Bébé, s'il te plaît. Alors soudainement, tu as maintenant du don pour Tonya. Waouh, je devrais en réalité célébrer ce moment. Tu sais quoi? Si ceci doit arriver, toi et moi nous devrions nous en soyer en parler. Oui, tu dois être convaincue que tu es assez grand pour faire un enfant. Et ta mère, toi, devrais arrêter de me traiter comme une tortue. D'accord, chérie. Chérie, le respect total. Chérie, je respecte totalement tout ce que tu veux. Bien. Tout ce que tu voudras. Mais ne fais pas ça, bébé, s'il te plaît. Si tu veux que j'arrête de prendre ça, alors demande à ta mère de partir. De nous laisser tranquille pour qu'on soit en paix. Alors, soit ta mère part ou j'avale ça. Qu'est-ce que tu choisis? Maman. Fils, comment tu vas? Maman. Maman, si tu veux que je sois heureux, si tu veux vraiment que je sois heureux, je te supplierai de partir de chez moi. Ma fille, qu'est-ce que... Maman, ma vie est en train de se détruire. Je veux que ma femme soit à mes côtés, mais elle n'a pas d'espace pour le faire à cause de ta présence dans ma vie. Maman, comprends, s'il te plaît. Je t'en prie, pars. Tu chasses ta mère à cause d'une femme? Ta propre mère? Mère, je ne te chasse pas à cause d'une femme. Je suis un homme et j'ai besoin de construire mon foyer. Ma propre famille. Ma femme et moi ne pouvons pas le faire. Tu es constamment là dans ma vie. Je ne peux rien faire sans ta présence. Maman, comprends, s'il te plaît. Pars. Donc ta sœur a finalement réussi. Elle a réussi à te convaincre. Hein? Oh, maman, mais voyons, personne ne m'a convaincu. J'ai juste compris mes erreurs. Et j'ai décidé de les réparer. Et en plus, maman, tu as le chou-toi. Tu as ta maison, chaque fois que je voudrais te voir, je viendrai pour te rendre visite. D'accord. Je partirai de chez toi. Je m'en irai. Merci, maman. Rassure-toi de ne pas courir vers moi quand tu auras un problème. Non, maman. J'ai décidé d'être un homme et de faire face à mes propres problèmes. Je ne viendrai pas. Maman, merci pour ta compréhension. Merci. Vous voyez, une opération, je vous assure, n'empêche le risque du cancer de la prostate. Hein? Je vais vous mettre sous une première phase de traitement sans effet secondaire pendant 4 mois. Et après les 4 mois, vous ferez l'examen du toucher rectal pour vérifier votre prostate. OK. Et si les symptômes sont toujours présents, nous allons maintenant vous conseiller une opération. D'accord? Oh, Dieu merci. Okay. Je vais d'abord vous faire une ordonnance.
Tenez, rendez-vous à la pharmacie. Ils vous donneront des médicaments afin que demain matin vous commenciez votre traitement. D'accord. Ils vous donneront aussi des médicaments qui vous aideront à booster votre taux de spermatozoïdes. Merci, docteur. J'apprécie vraiment. Merci, docteur. J'apprécie vraiment. Merci à vous. Passez une bonne journée. Merci. Ok. Merci beaucoup, docteur. Jean. Ah, mon ami, je suis très heureuse pour toi. Regarde-toi. Bientôt, tu seras maman. Oui, oh. Tout ça grâce à toi. Dieu est passé par toi pour nous bénir. Vraiment. Ton conseil est arrivé à point nommé. Oh. Dieu seul sait par quoi on devait passer si on avait commencé par l'opération. Rien ne se serait passé. Remercions l'Éternel pour toutes les possibilités. Hein? On remercie Dieu. On remercie Dieu. Alors, qu'a dit le docteur à propos de sa prostate? Oh, je ne te l'ai pas dit. Ah non, ah, tu ne m'as rien dit. La conversation au téléphone n'aide pas vraiment. Et alors? Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa prostate a retrouvé la taille normale. En fait, c'est avant que je ne tombe enceinte. Tu es sérieuse? Je veux dire que c'est une grande nouvelle. Je le sais. Je suis très heureuse pour toi, ma chérie. C'est pour cette raison qu'il fallait continuer de se battre. D'accord, maman. Voilà le résultat. Contre la paix. Maintenant, je vais. Maman veut te parler. Ah, ok. Allô, maman chérie. Oui. Ah! Maman, ma fille m'a dit de te demander si tu as maintenant petite amie. D'accord, maman, tu nous manques aussi. D'accord, maman, au revoir. Au revoir, maman. Maman, demande-lui si elle a un petit ami.